Nous sommes l'espoir. Nous sommes l'honneur. Nous sommes le courage. Nous sommes la justice. Nous sommes la compassion. Nous sommes la détermination. Nous sommes l'harmonie. Nous sommes Overwatch. Est-ce que ça tourne? J'ai bien conçu un chrono-accélérateur, alors pourquoi je n'y arriverai pas? Message à tous les agents d'Over... Message à tous les agents d'Overwatch. Oh, pas très naturel. Message à tous les anciens agents d'Overwatch. C'est moi, Winston. Manifestement. Il y a 30 ans, les Omniacs déclaraient la guerre. Les nations du monde étaient impuissantes, jusqu'à ce qu'elles mettent sur pied un petit groupe de héros. Overwatch vit le jour pour sauver l'humanité de la crise des Omniums. Nous sommes alors devenus les plus grands défenseurs de la paix et du progrès que l'humanité ait jamais connu. Vous avez été choisis, car vous aviez des pouvoirs et des aptitudes qui vous rendaient. Vous nous avez rejoints, car vous étiez... Mais vous savez déjà tout ça. Écoutez, l'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Ça a totalement pulvérisé notre famille. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions plus que jamais. Vous vous joignez à moi? Quand j'étais petite, j'avais peur des araignées. On me disait qu'elles ne ressentaient aucune émotion, que leur cœur ne battait pas. Maintenant, je sais ce qu'il en est. Aide-nous à la lumière ! Humains, robots, nous ne faisons qu'un dans l'iris. En vous, je vois l'avenir, des humains et des Omniacs solidaires, unis par la compassion, par des espoirs et des rêves communs. Chérie.
Mandaka est en danger. Il y a un tireur sur le toit. Cette fréquence est sécurisée. Personne ne peut. Mandaka est en danger. Évacuez-le. Dites-moi qui vous êtes immédiatement. À toutes les unités, tenez-vous prêts. Allô, quitte le périmètre. Je répète, allô, quitte le périmètre. Votre sécurité est compromise. Nous devons partir. Convoi, ici équipe 1. Allô est en approche. Terminé. Tu es d'une naïveté affligeante, ma jolie. Tu disais ? Allez, revenez ! On dirait bien que la fête est terminée. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Adieu, chérie. Quand j'étais petite, j'avais peur des araignées. On me disait qu'ils ne ressentaient aucune émotion, que leur cœur ne battait pas. Maintenant, je sais ce qu'il en est. C'est au moment de tuer qu'elles se sentent le plus en vie. Je suis plus un bébé, maman. Me traite pas comme si j'avais 2 ans. Ne discute pas, Alejandra. Va me chercher de la farine et ne traîne pas en chemin. D'accord. Oh, je m'inquiète pour Alejandra. Tout le temps. Ce n'est plus une enfant, mais pas encore une adulte. Elle a besoin de repères. Je lui parle des héros qui ont sauvé notre monde encore et encore pour lui donner de l'espoir. Mais j'ai peur qu'elle se retrouve obligée de faire des choix qui influeront sur sa vie tout entière. Alejandra, où tu vas comme ça? Nulle part. Ah ouais, sans blague. Viens par là, faut que tu vois ça. Tiens, tu vois ce truc? Montre-lui qui fait la loi. Je sais pas. Il faut que j'y aille. Allez, frappe-le, hein? C'est rien qu'un tas de ferraille. Mais... je dois aller faire les courses avant que ça ferme, sinon ma mère va me tuer. Oh. Hé! Et comment tu vas faire sans argent, gamine? Arrêtez! Rendez-moi ça! J'en ai besoin! Hé! Attendez!
debout. Vous avez vu quelque chose? Montre à toi! Assez joué, patin! Viens pas! Habitudes ont la peau dure, faut croire. Rentre chez toi, petite. C'est dangereux par ici. Vous êtes un de ces héros? Pas vrai? Plus maintenant. Tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé. Los Muertos, ils étaient là, ils ont pris mon argent. Et puis parfois, quand je vois son sourire et l'espoir qui brille dans ses yeux, je me dis qu'après tout, il n'y a peut-être pas de quoi s'inquiéter pour elle. Du générateur de bouclier, prêt à reprendre. Du calme, Winston. Tu dois te maîtriser. Ton rythme cardiaque grimpe en flèche. Je t'ai déjà dit d'arrêter de surveiller mes signes vitaux. Athéna. Comme tu voudras. Ton dernier exercice cardio-respiratoire remonte à 43 jours, 7 heures et 29 secondes. N'oublie jamais, un esprit sain dans... Non, j'ai un corps sain. C'est pour ça que je mange léger. Chaque fois que tu vois ce genre d'actualité, c'est la même rengaine.
Je te rappelle que faire reprendre du service actif à des agents d'Overwatch est extrêmement risqué. Le Petras Act de 2042 stipule que toute activité liée à Overwatch est illégale et passible de poursuites pénales. Oui, tu as raison. Je le sais. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je regrette tellement le bon vieux temps. Tu as quelque chose qui m'appartient. Tu me les rends? Allons, tu n'as pas à t'en faire. Je vais pas te gronder. Tiens, on échange? Voilà, je préfère ça. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Hein. Mais tu sais que le monde est plus vaste que cette station, pas vrai? Il est temps que je te montre quelque chose. Je détecte des intrus. La griffe. Athéna, éteins la lumière. Tu les as prises, c'est parce que tu voulais voir ce qu'il y avait de beau à l'extérieur. Eh bien, vas-y, regarde. Surtout, n'oublie jamais. Ne prends pas le monde pour ce qu'il semble être, mais aie le courage de le voir tel qu'il pourrait être. Winston ! Winston ! Il saura bientôt où se trouve chacun des autres agents. Je ne manquerai pas de leur transmettre tes amitiés, le singe. Je ne suis pas un singe. Je suis un scientifique. Données extraites à 90%. Corruption, 98%. Je le crois, Athéna. 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 Virus mis en quarantaine.
Diagnostic d'intégrité de la base de données principale en cours. Redémarrage des systèmes. Ne prends pas le monde pour ce qu'il semble être, mais aie le courage de le voir tel qu'il pourrait être. Rétablissement des connexions aux agents. Winston ? C'est toi, mon chou ? Ça fait longtemps, dis donc ! C'est vrai. Beaucoup trop longtemps. Le message de Winston ne t'était pas destiné. C'est plus ton combat. Papa m'a raconté, après toutes ces années de service, t'as tout donné à Overwatch et ils t'ont poussé vers la sortie. Pourquoi y retourner ? Et pourquoi continuer ? Alors, ça y est, vous nous quittez. Le devoir m'appelle. Je ne peux l'ignorer. C'est un grand honneur. Bon, se retirer dans une mystérieuse organisation et renoncer à la gloire de combattre avec les croisés ? Oh, 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 très peu pour moi. Il est jaloux de pas avoir été choisi. Les croisés sont les défenseurs mythiques de l'Allemagne. Les enchantrons des Odes. Sur notre héritage. Notre héritage, ce sont nos actes. Et cette guerre nous dépasse tous. Colonel Balderich, parachutage à l'est, ils arrivent. Très bien, soldats. On passe à l'action. Restez avec vos coéquipiers. On va écraser ces boîtes de conserve. N'oubliez pas votre canne, vieil homme. Vivre dans l'honneur. Ah, mourir dans la gloire. Tous ensemble! Lance-roquette! Feu! Attrapez! J'adore sentir le vent dans mes cheveux! Retourne protéger ton escouade! Oh, il faut que me ralentir! Je suis sûr qu'ils vont très bien. Ah, ouvrez, Reiner. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est à moi. Bon sang, Reiner. Je m'occupe de Reinhardt. J'allais l'écraser. Mais bien sûr. Il nous barre la route. Bougeons d'ici. La porte ne tiendra pas. Va retrouver l'unité. Je vais les retenir. Ah, et vous attribuez toute la gloire. On va les repousser et rentrer ensemble. Non. Je reste ici. Mais... je... sans vous... Lieutenant, vous avez fait le serment de toujours vous conduire en croisée.
Alors respectez-le. Je ne vous abandonnerai pas. Les autres ont besoin de toi. Tu dois les protéger. Reinhardt, vivre dans l'honneur. On est toujours pris au piège de cette monstrueuse tempête. C'est dingue. Le ravitaillement a dû être annulé et on sera bientôt à court de vivres. Le capitaine O'Para a donc prévu de nous faire hiberner. Allez, May, c'est l'heure de la cryostase. Déjà ? Oh, t'as une heure de retard. Je me dépêche. Le courant, les chaussettes. Je laisse tous les capteurs activés. Comme ça, à notre réveil, j'aurai tout un tas de nouvelles données à examiner. May, on t'attend pour la sieste. Désolée. Bye. Can't fever whenever you're around. Can't fight the way that you mess with my temperature. Atmosphérique au-dessus de l'anomalie ont continué. Oh, c'est bien pire que ce qu'on avait prévu. Il faut immédiatement prévenir le QG. Mais d'où viennent tous ces enregistrements? Flocon, combien de temps avons-nous dormi? Quoi? Non! Overwatch serait venu nous chercher.
Et les communications sont coupées. Quoi? Personne ne sait qu'on est ici. Une minute. Où sont tous les autres? Des millions de vies. Je vais dévoiler nos travaux au monde entier, mes amis. Enfin, je vais essayer. L'antenne est cassée. On ne peut pas transmettre les enregistrements. Jamais seul. Si seulement vous étiez encore là. Merci, Flocon. Au moins, je t'ai toujours, toi. Voyons si je peux faire durer les batteries un peu plus longtemps. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un message d'Overwatch sur la fréquence d'urgence. Quelqu'un sait peut-être que nous sommes ici? Je pouvais. Allez, Flocon, n'attendons pas le dégel. Évidemment, c'était la dernière batterie. Comment j'ai pu ne pas y penser? Sans courant, on est foutus! Il doit bien y avoir un moyen. Réfléchis. Il me faut juste un peu plus de temps. Courant! Flocon! Quoi? Non! Flocon! Pourquoi? Merci, mon ami.
Winston, oh bon sang! Allez! L'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Ça a totalement pulvérisé notre famille. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi? Oui, Winston. Je me joins à toi. Pour l'aventure. La guerre. Le monde vacillait au bord de l'anarchie quand un nouvel espoir survint. Une troupe d'élite internationale ayant pour seul objectif de mettre fin au conflit et de restaurer la paix pour l'ensemble des nations. Overwatch. Des soldats, des scientifiques, des aventuriers, des marginaux. Des gardiens qui ont assuré une paix mondiale pendant une génération. Sous leur protection inébranlable, le monde put lentement se remettre. Et même si leur veille est terminée, leur idéal de liberté et d'égalité ne sera jamais oublié. C'était trop cool! Et dans cette baston, ils avaient Séismo! Tu te rappelles celui avec des missiles sur le ventre? C'est lequel ton préféré? Moi, c'est Fusionator. Non. Tracer. Ouais, Tracer. Hello, mon chou, la cavalerie est arrivée. Wow! C'est le gantelet de Point d'Enfer. Il paraît qu'il pouvait écrabouiller un gratte-ciel tout entier. Et au milieu de la baston, quand Winston l'a battu et qu'il a hurlé « Rage primordiale !» Oh, c'est seulement dans les holos vides. On sait tous qu'Overwatch a été dissous. La moitié sont devenus des mercenaires depuis. Alors, l'exposition vous plaît? Bon, fini la récré, tous à couvert. Allez, dépêche! Ah, te voilà. Psst, qu'est-ce que tu regardes? Cavalerie est arrivée.
Hé ! Vous savez, le monde aura toujours besoin de héros.
Dans ma famille se transmet une légende de génération en génération, celle de deux frères, le dragon du vent du nord et le dragon du vent du sud. Ensemble, ils maintenaient l'équilibre et l'harmonie dans les cieux. Mais les deux frères se disputaient pour savoir qui serait le plus apte à diriger leur terre. La rage prit le dessus, et leur violente querelle assombrit le ciel, jusqu'à ce que le dragon du vent du sud abatte son frère, qui tomba en fracassant la terre. Mais le temps passant, il comprit à quel point il était seul. Et la victoire prit un goût amer. Pendant des années, le dragon solitaire plongea le monde dans le chaos. Il ne connaissait plus qu'aigreur et chagrin. Un jour, un étranger interpella le dragon et lui demanda : « Ô seigneur dragon, pourquoi es-tu si troublé ?» Le dragon lui répondit : « Dans ma quête de pouvoir, j'ai tué mon frère. Mais sans lui, je suis perdu. » L'étranger lui répondit : tu t'es infligé ces blessures, mais il est temps de guérir. Parcours cette terre sur deux jambes, comme moi. Fais preuve d'humilité. Alors, tu trouveras la paix. Tu n'es pas le premier assassin envoyé pour me tuer, et tu ne seras sûrement pas le dernier. Quelle audace! Tu oses venir dans le domaine des Shimada, le repère de tes ennemis. Autrefois, ce temple était mien. Tes maîtres ne t'ont donc pas dit qui j'étais! Je sais qui tu es, Hanzo. Je sais que tu viens ici chaque année, le même jour. Tu prends beaucoup de risques pour honorer l'homme que tu as tué! Tu ne sais rien de ce qui s'est passé! Je sais ce que tu penses. Tu te dis que ton frère a désobéi au clan. Tu te dis que si tu l'as tué, c'était pour maintenir l'ordre. Tu te dis que c'était ton devoir. C'était mon devoir, et aussi mon fardeau. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas l'honorer! Honorer ton frère Genji avec de l'encens et des offrandes? L'honneur ne se mesure que par les actions.
Tu oses me donner des leçons sur l'honneur? Tu n'as aucun droit de prononcer son nom! Ryuga Wagateki Okura! Seul un Shimada peut contrôler les dragons. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu attends ? Tue-moi ! Non. Je ne t'accorderai pas la mort que tu souhaites. Il te reste encore beaucoup à accomplir, mon frère. Non. Comment ? Mon frère est mort. Kenji. Le dragon se posa au sol. Pour la première fois, il voyait le monde avec clarté autour de lui. Et il devint humain. L'étranger lui révéla alors qu'il était son frère. Enfin réunis, ils se mirent ensemble à rebâtir ce qu'ils avaient autrefois détruit. Qu'est-ce que tu es devenu ? J'ai accepté ce que je suis à présent, et je t'ai pardonné. Maintenant, il faut te pardonner toi-même. Le monde va changer une fois de plus, Hanzo. L'heure est venue de choisir ton camp. La vie n'a rien à voir avec les histoires que nous contait notre père. Et tu es fou si tu y crois encore. Je suis peut-être fou de croire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Mais j'y crois. Réfléchis, mon frère. C'était pas censé être le système de sécurité le plus fiable de la planète? On n'a pas toute la journée. Dépêche-toi. Ça suffit. Tu as pu établir la connexion satellite. Ah, évidemment. Tu es certaine que la cible est bien présente? Ça, tu peux me faire confiance. Ok, à vous de jouer. J'ai vraiment hâte que l'inspection soit finie. La porte. Son brin. Je suis en position. Sombra, cible en approche. Oui, maintenant. Président Volskaya, les nouveaux systèmes de guidage. Grâce à eux, nous allons pouvoir éradiquer la menace omniaque. Le calendrier doit être respecté. Les omniaques n'attendront pas que nous soyons prêts pour frapper de nouveau. Nos premiers nouveaux mechas depuis 10 ans. Ils sont la clé de l'avenir de la Russie. Très bien. Avance encore un tout petit peu. Quoi ? Fatal, sécurise le périmètre. On prend le relais.
J'ai perdu la cible. À toi de jouer maintenant. Je m'en occupe. Imaginez pas du tout ce que j'ai dû faire pour qu'on puisse se rencontrer. Relaxate, je ne suis pas là pour vous tuer. Après tout, c'est moi qui ai déclenché l'alarme. Sombra, est-ce que la cible... Ok, écoutez, je suis venue en amie pour partager cette découverte. D'après vous, que penseraient vos concitoyens russes s'ils apprenaient que leurs remparts contre les Omniaques se fournissent secrètement chez l'ennemi? Quelles conséquences pour l'avenir de la Russie? Mais qu'est-ce que vous voulez? La femme la plus puissante de Russie? J'ai toujours rêvé d'avoir une amie comme ça. Donc, admettons que je m'abstienne d'inonder tous les holovides du monde avec des images et qu'en échange, je compte sur ma nouvelle amie pour me filer un coup de main. Qu'est-ce que vous en dites? L'heure tourne, amiga. Comme si j'avais le choix. Et maintenant, cher ami, je vous contacterai. Boop. Échec de la mission. La cible s'est enfuie. On regagne le vaisseau. Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir? J'ai ma petite idée. Aujourd'hui, un tout nouvel épisode de Shooting Star. Nos équipes se sont rendues à Busan, où vit la championne d'e-sport devenue pilote de mecha, Diva. Je joue pour gagner. Du haut de ses 19 ans, c'est une héroïne nationale. La semaine dernière, elle a encore risqué sa vie pour défendre la ville des Omniac Guishin. L'escouade Mecha a subi quelques dégâts, mais a réussi à éliminer la menace. En ce moment même, Diva fête sa victoire avec glam et paillettes. Hé hey Anna, tu devrais pas être en train de signer des autographes, là? Les endroits les plus branchés de la ville, autour des plats les plus raffinés, avec d'autres superstars. Mais avant d'en arriver là, Diva... J'aimerais bien goûter au glam et aux paillettes. Hé, pourquoi on n'a pas de repos comme le reste de l'escouade? J'aimerais bien un peu de glam et de paillettes, moi aussi. Ils exagèrent tout, Dayan. Regarde, c'est ici que la magie opère. Comme quand on restait debout toute la nuit pour bosser sur ton Lévitron. Celui que t'as réduit en pièces. Sérieux? Tu t'en es pas encore remis? On a gagné. Ouais, et t'as failli y rester. Nanocola, trop bon. T'as battu les Guishin. Ils reviendront pas de sitôt. T'as le droit de souffler. Arme sur toi ! J'y vois plus rien ! Je suis touchée ! J'y arrive pas.
Anna ? C'était moins une la fois dernière. L'ennemi est là, dehors. Il s'adapte. Et il devient plus fort. Le reste de l'escouade, le pays, ils comptent tous sur moi. Si je fais une erreur et que les Guichin ont le dessus, on perdra. Tout ce qu'on a. Je... Oh. Je dois finir les vérifs. Arrête de tout prendre sur toi. T'as le droit de demander de l'aide. Ça va aller. T'inquiète. Oh. Le commandant a beau dire qu'on est tranquille, c'est... Qu'est-ce que... C'est pas possible. Déjà. Ils arriveront pas, attends! Le dernier se dirige vers la ville! Je m'en occupe! D'aide. Sérieux ? Ok. Ok. Le réacteur devient instable. Tu vas devoir rentrer vite ou tout va sauter. Le oui. système d'armement oui. est HS. Le réacteur ! On pourrait se surcharger, et... comme pour le Lévitron. Quoi ? Mais t'es taré ! Tu te crois encore dans un jeu ou quoi ? Dayen ! Si on le fait pas, des milliers de gens vont mourir ! Ok. Donne-moi une seconde. Il est parti ! Le réacteur est au seuil critique. T'as 60 secondes avant qu'il explose. Il doit exploser maintenant, avant qu'on atteigne la ville. Anna ? T'en fais pas, Dayen. On se retrouve à l'arrivée. Encore sous le choc après cette attaque surprise. Heureusement, grâce à D.Va,
aucun blessé n'est à déplorer. Elle a arrêté les Guishin toute seule. Et les autorités ont confirmé qu'elle s'en est sortie indemne. Elle profite actuellement d'un repos bien mérité pour fêter sa victoire. Dans la mondiale, eh ben, on a bien mérité ce repos, non ? De quoi tu te plains ? La bouffe est bonne ? Le soda aussi ? Ouais... Et on est entre amis ? Le genre d'amis qui sera toujours là. Surtout quand on a besoin d'eux. Ouais. Et puisque j'ai aidé à sauver la ville, tu peux me rajouter sur la liste VIP d'un de ces super restaurants dans lesquels tu vas tout le temps ? Je crois que tu regardes beaucoup trop de nos vidéos. McCree, ça faisait un bail. Tu devais m'envoyer une carte? Désolé, Ash. J'ai pas eu une seconde. On est pas mal occupés, nous aussi. Sacrée coïncidence que tu te pointes aujourd'hui. T'as jamais été du genre à laisser passer un bon tuyau. Hé, hey, on a bossé dur sur ce coup. Tu ferais mieux de passer ton chemin. Tout ce que je veux, c'est cette caisse. Tu peux garder tout le reste. Cette caisse ? Bob ! Tiens, tiens. Tu as le don de me surprendre. Qu'est-ce que c'est ? Crois-moi, tu veux pas le savoir. Bien au contraire. Que tu le veuilles ou non, maintenant, ça me regarde. Pourquoi faut toujours que ça se passe comme ça, Ash ? À toi de me le dire, cow-boy.
On dirait que Bob a reçu quelques améliorations. Fumez cette ordure! Dernière chance, McCree! Jette ton arme! Ok, Ash. Attrape ça! Oh, merde! Qu'est-ce que... McCree! Désolé pour ça, Bob. Sans rancune? McCree! Hé! Détache-moi, McCree! Passe le bonjour au gang pour moi. C'est pas comme si tu m'entendais pas! Je vais séparer Bob et il va t'arracher dans notre bras! Salut, cow-boy. Content de te revoir, partenaire. Combien de temps ai-je été absente? Bien trop longtemps. Que t'est-il arrivé? Ça, c'est une histoire qui peut attendre. On m'a appelé. Ils reforment l'équipe. Ils veulent que je les rejoigne. Mais en fait, c'est de toi qu'ils ont besoin. Jesse, attends. Que comptes-tu faire? J'ai d'autres affaires à régler. Dira bonjour au gorille pour moi. Au gorille? Le scientifique. Enfin, tu verras. Voilà des manières. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis à la porte? Parce qu'on a volé le blé de la reine? Fait exploser sa maison de vacances? Ou pour la bagarre dans le bar? Quoi qu'il en soit, cette fois, t'as vraiment mis la patronne hors d'elle. Je crois qu'ils nous laisseront plus jamais rentrer. Tout juste! Bon, il y a deux choses qui résolvent tous les problèmes. Le fric et les explosifs. Oh! J'ai une idée! N'oublie pas ta petite tasse, n'oublie pas ta poudre. On veut des fric, on veut des bombes, on veut rentrer. Attends-toi! Oh, j'ai tellement hâte de voir la tête de la reine quand elle découvrira avec stupéfaction qui l'a doublé. Revoyons le plan une dernière fois, pour que tu fasses pas tout foirer. Bon, d'abord, on allume la mèche. Ensuite, on passe en mode incognito. Et on se faufile dans la ville. Après ça, on amène notre super chariot bling-bling explosif droit sous le nez de la patronne. Et on tombe le masque. Et... boum! Ils s'y attendront tellement pas. Oh, c'est vrai. Il nous faut un plan d'évasion. Brise 2. Allumer la mèche, incognito, rentrer en ville, devant la patronne, tomber le masque, et ensuite, on se fait la malle et boum! Un plan infaillible. Mais oui! Le pognon! Pas besoin qu'il parte en fumée, donc... mèche, incognito, chariot, patronne, masque, on prend le flux! Et... boum! Oh!
Et surtout, mon gros, pas un mot. On est là incognito. Hey, qui est là? Chacal et Chopper. Dégagez de là, les tocards. Crétin.